joueurs, que le staff technique. Ça c'est ma femme. Comment allez-vous? Ça c'est mon chef. C'est une belle victoire. C'est ça l'Algérie qui avance, c'est pas autre chose. Les jeunes en voulaient, ils ont réussi. On l'a demandé à bien les encadrer, on l'a fait. C'est une immense joie pour les Algériens. On a montré quelque part que quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, l'Algérie compte beaucoup sur sa jeunesse. Elle a prouvé hier, tout le peuple était en émoi avec son équipe. Je leur ai tout simplement demandé de continuer parce que c'est des jeunes qui ont l'avenir devant eux. Et nous allons représenter pour la quatrième fois le pays, le monde arabe. Et je crois que c'est une bonne consécration. Ça montre tout simplement que l'Algérie est un pays qui s'est bien stabilisé. Un pays stable ne peut qu'avoir de bons résultats. Bon, maintenant, il faut le continuer. Il faut qu'on aide nos sportifs, il faut qu'on aide nos jeunes à faire plus. Je crois que c'est une dynamique qui s'est enclenchée. Il faut à tout prix la maintenir. Bravo pour tout le monde. Photo de famille, bien sûr, à la fin, juste après le coup de sifflet final. Vous l'imaginez, les Algériens sont sortis défilés dans les rues, partout, grandes et petites villes. Ils étaient des milliers à manifester leur grande joie suite à cette qualification pour la deuxième fois consécutive au Mondial. Une manifestation de joie jusqu'à des heures tardives de la nuit. Ambiance, vous le voyez, à Alger, Oran, Seti, Fouagla, Tindouf, Annaba, Elizine, Hama ou encore Béjaïa pour ces nombreuses wilayas dont on a eu les images depuis hier soir. Je vous laisse justement apprécier cette ambiance.
Même ambiance à l'étranger, nos concitoyens sont sortis manifester là aussi leur joie après la qualification des Verts à la Coupe du Monde 2014. On voit ici d'ailleurs Paris, le défilé. Paris, notre communauté très importante. La France qui a d'ailleurs arraché également son billet qualificatif hier soir en même temps que l'Algérie. Ils ont bien joué, on a tout fait, on a gardé la défense à l'arrière, on a marqué un but, c'était l'essentiel. 1-0, qualifié, Hiya Aljazair, 1-2-3, vive l'Algérie! Voilà donc nos concitoyens en France qui sont sortis. On voit ici l'ambiance de Marseille, seconde ville de France où la communauté algérienne est également très importante. C'était un bon match, c'était un peu difficile, mais bon, à la fin c'était un peu dur, mais on est sorti avec un bon score, 1-0. Ça suffit, on va aller au Brésil. On tout trouver, voilà, j'y vais. Voilà. Et vous voyez tout ce monde là derrière moi. Tout. Regardez, une bonne ambiance, Marseille, c'est comme l'Algérie. Voilà, on est heureux et tout. Et là, c'est Reza aussi. Les Algériens n'ont pas hésité à sortir dans la rue accompagnés de leurs frères palestiniens, étant le seul pays arabe finalement à se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà, très bien. Alors on a vu l'ambiance aussi bien au sein de l'équipe après cette qualification, également dans la rue, en Algérie et à l'étranger.